Bonjour, tout ça tout. Et donc j'ai farmé. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Alors on va quand même baisser un peu le son pour vous. Voilà. J'en ai pas besoin. Donc voilà, donc level 7, 6. J'ai acheté quelques armes. Pour être un peu puissant. Lui, il peut appeler, voilà. Appeler les monstres, c'est pour farmer, c'est cool. Pardon. Pour appeler les monstres, quand on peut farmer autant qu'on veut. Lui, premier secours. Donc 30 vie à voilà, il guérit le poison. Et ça permet de sortir des grottes et des donjons. Voilà, sinon un 2 spécial. J'ai fait que monter les levels, j'ai fait aucune mission. Et donc, bon, on repart à la caverne. Chercher cette boule. Que j'ai vu mais évidemment que je n'ai pas prise, il faut que je prenne en mission. Donc bon logiquement hein, ils sont les bas, voilà. Donc des fois ils font pas tous en one shot, mais bon, presque. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis à suivre différentes vidéos. Il y a quoi faire. Donc du moins je joue celui-là puisque le 11 va sortir. Donc il faut se mettre un peu dans le bain. Alors je sais pas si je finirai à 100% mais jusqu'à la fin ouais. J'essaierai de tout prendre, au moins tous les monstres, enfin. La fameuse armure spéciale à la fin, je pense, au moins essayer ça. Ouais. Donc là bah, évidemment, hein, on fait un monstre par perso, plus simple. Encore, oh bah cool, je l'avais déjà mis. Par contre, ce qui est chiant, je suis un petit peu familiarisé avec les boutons. C'est si c'est dans le sac, on peut pas y avoir accès pendant le combat. Donc, faut bien penser à en mettre au moins une. Voilà, ça c'est chiant par contre. T'as pas accès à ton sac en fait, correctement. Et puis bon, on y va tranquillement. On y va, on y va. Donc là, dans cet épisode, on trouve la boule, on va parler à la fille, et puis on verra ce qu'il y a après. Bon, je pourrais fuir, mais bon, ça me fait de l'expérience, on est bas. Voilà. Cela, ça va encore. Bon, en plus, il fuit. De temps en temps, il y a une sorte de petit boss, un gros slime. Ou... Les gros monstres, mais bon. Voilà l'entrée. Donc ça va tranquille. Pour l'instant, j'attaque en premier, donc ça c'est parfait. On évite de me blesser. Et on y va. Et voilà. Donc on recommence parce que j'avais déjà essayé. Puis j'ai farmé un peu là-dedans, donc j'ai un peu tué quelques monstres. On recommence. Hop. Donc je crois qu'il y a un ou deux étages. Enfin bon. C'est pas vraiment important. Hein. C'est là qu'on commence à être chiant. On va bien penser à attaquer chacun un au cas où. Non mais cool, j'étais en premier en plus. Et c'est classe. Parce qu'on n'attaque pas en premier, bah, c'est trop chiant, tu fais tout le temps avoir. Donc évidemment j'ai la carte. Voilà. Et on continue. Bon, on passe par là. Plus simple. Donc il y a des coffres que j'ai déjà fait, mais c'est pas grave, on va les refaire. Enfin voilà, on va pas. Donc lui je lui ai parlé, qu'est-ce qu'il me disait déjà? Ah, une cascade dans ces cavernes. Une caverne dans une cascade. C'est tellement intriguant. Donc là, voilà, il y a des armes et puis
de potion. Rien de super. Le diable, il est chiant, il nous fait danser. Il attaque en premier, lui. Et voilà, je m'ai danser maintenant. Ah bon, ça va. Il le tue après. On avance. Donc je ne puisse pas aller plus vite. Ça, j'avoue que c'est dommage. Donc, premier étage. Je passe les trucs dans l'eau, honnêtement. Pose pas la question. Hop, il y a une petite danse, ça c'est bien. Ah ouais, le petit point, c'est beaucoup, c'est chiant ça. Hop. Et voilà, ouais. Ah, problème. Ils m'ont quand même touché. On se fait des pièces tout doucement. C'est cool. Bon, je me demande s'il n'y a pas un boss en fait quand on reçoit la boule. Il va falloir se méfier. Donc. On continue. Donc en fait, il faut la droite, c'est à gauche, c'est un cul-de-sac. Bon. Donc là, on fait la taupe en premier. Parce qu'elle est un peu plus forte, un tape plus forte. Oh, c'est bon. Voilà, cool. Oh, en plus, c'est bon, aucun dégât. Cool. En plus, avec mon nouveau marteau, ça tape fort. Hey. Oh, il m'a touché une fois. Donc on continue, donc on va aller à droite. Enfin c'est pas encore là, oui, prochain. Là il y avait un papy avec sa canne. Oh ils sont chiants eux. Deux fois le même pour se les tuer vite fait. Même pas, non. Il a au moins 21 de vie. Okay. Niveau 7, classe. Je rattrape. Donc, hop. Une épée. Oh, bonne question. Hein. Je n'ai pas de lance, on va faire ça pour l'instant. Cool. Donc faut augmenter évidemment pour avoir des nouvelles options, hein, des nouveaux pouvoirs. Et c'est quoi que j'ai eu? Magie secours, sort de combat anti-poison secours, attitude à l'épée. Ils nous disent pas le pouvoir. Ah bon, on peut voir ça. Excusez-moi, je regarde. Ok, 12 km, 3 heures, monstre vaincu, 167 ouais, quand même, victoire 70, donc défaite 1, donc ça va. Ok, n'est-ce pas visé par une petite taille, je suis protégé des précieux conseils en matière de combat.
Viens me voir de temps en temps, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Ok, marrant ça. Je m'en souvenais plus. Donc, là, il y avait un vieux papy là qui te parlait. Donc, tu n'es pas obligé de le battre. Moi, je l'ai battu, mais bon. Hop. J'imagine que tu as gagné la royale. Ok, voilà. Enfin, ça t'aura laissé passer, mais bon, voilà, ça te fait l'expérience. Et donc là, par contre, on va aller à droite. Parce qu'à gauche, il n'y a rien. Donc la taupe, hop. Oh, je dis la taupe en premier. Il attaque plus vite en fait l'autre. Ok. Voilà. Logiquement, bah, c'est en bas. Dernier étage. On y arrive. Ah ouais, le mec attaque en premier en fait. Okay. Ben, j'ai pas vu, j'ai une attaque spéciale. Je n'ai pas vu. Il faudra un monstre pour que je voie là. Moi, je sais pas s'ils vont vouloir. Moi, j'en ai en bas de toute façon des monstres. J'en ai en bas. Et donc la boule est tout au bout en fait. Par contre je sais pas s'il y aura un monstre ou pas, mais bon. Alors normalement j'ai un pouvoir. Combattre. Il n'a rien, c'est normal. Lui c'est moi c'est bourrin. Par contre lui. Si j'ai un sort. Donc il poison, j'ai pas un truc avec. Ah bon, je croyais. Ouais. Et ça augmente par 5 les attaques. Ah, 6. Et on avance. On va y arriver. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de monstre à tuer, hein, mais bon. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Donc la boule est là en fait et bon bizarre elle est sous l'eau. Oh ils sont chiants eux. Ils tapent pas mal. Voilà 4-5 à fait chaque fois. Ouais, je fais pas moins de shot en fait. Bon, on a les deux heureusement, mais bon, c'est pas. Ouf. Ouf, voilà. Donc, vous voyez, il y a la boule. Donc avant, parce que je sais plus s'il y a un boss ou pas. Je ne l'ai jamais fait, enfin, j'ai pas encore fait, donc soignez tous. Hop, voilà. Et on y va. Une boule de cristal flotte. Ouais, elle flotte pas, c'est pas possible. Tendre les bras pour attraper Malerwen. Oui, c'est sûr. Un peu logique. Hein. Ah, ah, surprise, surprise. Je suis devant Geyser, je pourrais dire. Le maître de la cascade. Oh, le temps fut long. Il y en a eu tant d'aller et venir. Voilà plus de 10 ans que j'attends. 10 ans. Tout ce temps à attendre la bonne personne, n'est-ce pas? Facile, c'est ça. Bon allez, la séance est à présent. C'est le moment de vérité. Est-ce que cette boule de cristal, cette boule de cristal t'appartient? Qu'est-ce que je dis? Je dis oui. Ah, enfin nous voilà, face à face. Espèce d'humain dégénéré. Je vais te donner une montre.
Non, son... Ah d'accord, il parle pas français en fait. Je veux dire une leçon que n'est pas prêt à oublier. Bon, en fait, il s'affaite. Hein. Geyser s'approche. Donc, attention, on va essayer de battre assez rapidement. On va voir s'il fait mal. Hein. Ok. Mon dieu, c'est bien, c'était quoi? Il attaque. Bon, bon, il attaque, de toute façon, j'ai pas de pouvoir, donc. Pas longtemps, il y a que ça. Il est dans les 90, ça peut être une. $35,50, ok. Attaque. Bon, tu peux rien faire, malheureusement. Donc, on se calme, on se calme. Une idée. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ok, il attaque, super, il va d'une terre. Oula. Moi déjà, voilà. J'ai bien fait, sinon j'aurais pu voir. Hop. Moi, hop. C'est qui est chiant. On t'a déjà dit. Alors ça, si j'avais pas mis sans moi, je n'aurais pas eu d'herbe en fait. Ça, ça peut être chiant quand même. Voilà. Oui, je sais, je peux pas bouger. Heureusement qu'il attaque, qu'il fait ça en premier, hein, sinon je serais mort depuis longtemps. Allez, qui attaque. Et on attaque les deux, ça devrait être bon. Voilà. Ouf. Il est vaincu. Geyser est vaincu. Cool. 107 points, cool. Niveau 8. Ok, hop. 5 points, classe. Enfin, classe, je sais pas, donc 1, 2, 3, 4, 5. Laisse tomber un coffre, cool. Ah, quand de force, ça va augmenter, à mon avis, d'un cran. Ah, la douleur, la douleur. Oh, ma vieille blessure, depuis que je l'ai, je me suis jamais complètement remis. En tout cas, c'est à cause de toi tout ça. Eh oui. Comment? Tu ne comprends pas de quoi je parle? Alors tu n'es pas le vrai propriétaire de cette boule de cristal. Non, quel dommage, oh, quel dommage. Si fort. Assez fort pour résister à ma redoutable puissance. Tu n'es pas de mieux. Attends, serais-tu pas la cascade charitant de Rimlock, tu sais? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai entendu dire qu'un château appelé Trodin avait subi une malédiction qui était infectée de ronces et qu'une seule personne avait survécu. Cette personne est partie en expédition avec un chevaux et un charal et un charretier. Bah ouais, je crois que c'est moi. Mais il est pas au courant en fait. Ça fait que c'est la fin du jeu qu'on va là-dedans. Logique.
Désolé, j'étais en train de me gratter le dos. Ça fait du bien. J'avais donc raison, c'est bien toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ces doigts du cristal. Mais c'est à toi maintenant, j'accepte les fêtes, ou peut-être est-ce la défaite. Bon, moi je prends un ok, je me mets dans mon sac. Merci. Une dernière chose, si tu rencontres le vrai propriétaire de ce bouquet, dis-lui ceci de ma part. Ah, en fait, c'est lui qui l'a acheté dans la... Ah, il a dû recevoir la boule dans la tête en fait quand il l'a acheté. On peut en acheter nous dans la cascade. C'est marrant. Donc, on va sortir d'ici. On va faire pouvoir sortir parce que c'est bon de tout faire. Hop. Voilà. Et après on se téléporte ou on marche. Bon, je pense. On peut marcher, hein. C'est pas non plus. Bon, on marche, ça prend en même temps des points d'expérience. En même temps, je peux me gratter le dos. Hop là, des bisbaves. Marrant, là, ils ont quand même des monstres. Hein. Bon, ben là, j'ai tout ce même fois. Hein. Enfin, c'est, hein. Faut pas se voler la face. Et on avance. Hein. Allons-y. Bon, je pourrais me téléporter, mais je préfère garder mon aile pour plus tard, au cas où. J'en ai vraiment besoin. Ben, ça va prendre 2-3 minutes. On y passe après. Par contre, je pensais qu'on serait pas attaqué sur le chemin, mais en fait, si. C'est un peu chiant quand même. Voilà. Ah, des gluants. J'ai une manette comme ça d'ailleurs. Mais je joue pas avec, c'est trop chiant. Trop dur de jouer avec ça. Hop. Voilà, voilà. Bah, dites-moi d'ailleurs si vous avez... Si vous voulez prendre le 11, hein. Si vous aimez ce jeu-là, ou... Si vous aimez cette licence. C'est intéressant. Là, c'est l'un des meilleurs, on va pas se mentir. Hop là, c'est pas le numéro 11. Hein. Il y a Dragon Heroes 2, mais bon, c'est une sorte de Dynasty Warrior, j'aime pas. Bourrin, tout ça, à chaque fois. Bon, intéressant, je dirais. Ah, puis c'est pas mal de mettre dans le bain pour le 11. Ça tire un petit peu temps. Donc là, on va parler à la fille dans la maison. Donc, on passe par là, on sera jamais. Hop, je crois que c'est par là. Hein. Plus du tout où c'est. Hop. Ah. Qu'un a plus que sa part de souffrance. Il a très bien su ses et lui. Ok, il parle de lui là. Je vous ai entendu parler avec la jeune fille, mais oui. De quoi on parlait? Ben, je propose à te regarder. Hein. Ah oui, je vous ai rendu service, ouais. Donc je sais qu'il y a un coffre à un moment donné, mais je sais plus quand. Donc c'est pour ça que j'y reviens souvent. Ah bah, j'ai déjà fait, je suis bête. Désolé, un petit spoil. C'est
pour le foireux, évidemment. Hop. Ah bah là, on parle au mec. Allons-y. Ah, je savais que tu serais de retour. Et apparemment, tu as fait ce que Valentina t'a demandé. Eh oui, j'ai ramené. But you are meddling in matters that do not concern, and you are wasting your time. Tu veux mieux me rapporter ma boule de cristal autant de fois que cela te chante? Je la jetterai à chaque fois. Oh bah, il est gentil, enfoiré. Quoi? Il est interdit de jeter des objets dans la cascade? Cela pourrait rouvrir une vieille blessure? Mais bon, sans de quoi parles-tu? Ah oui, il n'est pas au courant qu'en fait le monstre... Écoute-moi, personne ne sait pourquoi j'ai jeté ma boule de cristal. Même Valentina n'a pas la moindre idée. Alors ce n'est pas un étranger à qui je... Ouais. Si tu peux te confier avec moi. Hein. Donne-la-moi. Je vais la briser en mille morceaux, comme ça. Hop. Voilà, si tu veux. Ah. Non, Père, ne la casse pas. Je suis au courant, j'ai toujours su. Je connais la raison pour laquelle tu as jeté la boule de cristal dans la cascade. Ouais, si, c'était pourquoi en fait. Ah, c'est vrai, parent, c'est lui qui l'a adopté. Comment peux-tu ne pas m'en vouloir? Comment peux-tu ne pas me haïr? Il y a un médium qui ne fait que son travail. Ce que tu sais faire, c'est ceux qui sont morts, je pense, et il a dû le voir mourir dans le feu, et en fait, il n'a pas prévenu avant. Personne ne savait que mes parents avaient fui, mais pour toi, c'était clair comme de l'eau de roche. Ok. À l'instant là, il n'y avait rien que je ne pouvais voir. Le grand était connu dans le monde entier. J'étais sur mon petit nuage, et ton médium était toute ma vie, mon âme. Je ne pensais qu'à moi, enfin bon, peu importe ce que les gens pensent. Peu importe ce que les gens faisaient. Ah, ok, okay. Bon, d'accord. En fait, ils s'en foutaient des gens, quoi. Tu es un homme bon, tu t'es occupé de moi, tu m'as élevé. Alors que t'as un bébé sans défense, je vais le voir dans tes yeux, ouais. Bon, ça va, vous avez fini, vous lancez des fleurs, là. C'est un bon père, tout ça, ça va, on a compris. Moi, je veux ma récompense. Ah, en fait, on dort direct. Bon, ok. Ah, je peux me lever, en fait. Je peux te parler à toi? Ok, il ronfle. Super. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? On peut ouvrir, mais il y a un dedans. Encore? Tu t'es réveillé, c'est déjà bien avant. Bon, alors. Ah. J'ai remis ma boule de cristal à sa place. Bon, alors. Vas-tu me lire l'avenir? Attention. Qu'est-ce que c'est? Je vois. Un fou se rendant au poste de contrôle au sud. Murdered Master Rylos. Yes. Yes. C'est vrai, ça. Can it be? Surely not. Dulmagos. Ah, c'est ce qu'on cherche. What? Bien entendu. He said Dulmagos, right? That's our man. So ah, voilà, c'est ce magicien qu'on cherche en fait. Il est au poste de contrôle. Let me look. Huh? What's this?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons voir. Mais qu'est-ce que. Sans aucun doute. Elle a été. Ah, une brique, bah, elle a été branchée. Un monstre a reçu sur sa tête. Qu'est-ce que tu veux? You watch. When I ask what else you could see, whatever. I'll come. Non, apparemment, il voit rien d'autre. Donc, on va sauvegarder. Comme on a 70 minutes. Et puis, on va y aller. Quoi? Bon, on y va, allez. Allons, poste de contrôle. Pour poste de garde. Je suis là. Ok, donc. Premier, c'est quand même le héros, hein. Voilà, qu'on voit, ça fait quand même mieux. Attends, non, on va quand même sauvegarder, ça sera fait au cas où, parce que je suis pas non plus tardé à aller me coucher. Donc on va faire 10 minutes, un quart d'heure de. Ouais. Vidéo et puis ça ira. Hop. Alors, hop, on sauvegarde. Ouais. Alors, je vais juste vérifier un truc. Oui, continue. Parce que pendant le combat, j'ai été. Ok, je pensais. Les purifications. Ah, c'est poison ça, ok. Bon, c'est bon. Je pensais, mais bon. Ok. On peut sortir. Donc on est au moins. Ouais, jusqu'au poste de garde et puis on verra si j'arrête là. On aura fait au moins une mission. Au moins. Hop. On descend par là. Quelque chose. Ok, c'est bon. Hop. Et on ressort. On va au poste de garde. Et donc logiquement, il va y avoir le monstre avec le. Enfin mon copain que chariot. Ce qui semblerait logique. Et oui, voilà, notre ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la jeune fille? Alors, on va tout le raconter. What? Dumegas killed Master Rylus? Pas qui a tué le maître. Le Doom que nous cherchons, ce démon, a tué son propre maître.
And you say he headed south. There's no time to lose. We must be on our... T'inquiète. T'inquiète pas, on est court, on y va. Là. On y va, on y va. L'entrepôt de garde en fait est à gauche. Hop. Alors bon, on retourne une fois, pas de problème. Pas de problème. Vivement les monstres noirs. Mercure pour monter l'expérience. C'est horriblement merveilleuse, on va dire. C'est pas français, mais c'est pas grave. Ils sont tellement puissants que je monte 5-6 niveaux en une fois. Oui, c'est là, pour de garde, c'est là. Tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop. Oh bah il fuit. Il a peur. Le pauvre. Le pauvre, le pauvre. On dirait que je suis là, tranquille. Bon, c'est vrai qu'on pourrait se faire un petit peu quelques monstres, hein, mais bon, on n'est pas un peu obligé. Hein. J'en trouve pas pour l'instant. Des fois on les voit dans la prairie. C'est des sortes de boss quand on les voit. Sinon on les voit pas. Vaincu. Hop là. Quand la vidéo sortira, à mon avis, vous aurez reçu. Vous aurez vu d'autres jeux. Oh, attends, j'en vois là. Regardez là-bas. Il me semble. Donc il y a Mario Kart qui a dû sortir normalement. Et je continue Lego City, hein, bien sûr. C'est un monstre ou pas là? Je crois voir un monstre. Vous aurez le jeu régulièrement, enfin tous les mêmes jours, tous les vendredis, tous les lundis, c'est toujours le même jeu maintenant. Enfin, je vais essayer. Hein. Je ne dis pas que je vais y arriver, hein, mais... De toute façon, je continue l'histoire quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Je ferai let's play dans Mario Kart avec toutes les coupes. De temps en temps, des tournois avec d'autres personnes. C'est bon choix, hein, ouais. Et puis on verra en attendant, déjà Mario Kart, ça, le City, ça fait quand même pas mal. Mais sans tuer, hein, les Zelda, c'est sûr. On continue, tous les jours. Donc même si c'est pas marqué 120, mais ils y sont tous. Hein. Je sais pas pourquoi, je vais me tromper dans les chiffres, mais bon. Il faudra que je rectifie ça, en fait. Donc, est-ce que c'est là? Bonne question. Je me pose la question en fait, est-ce que c'est vraiment là, truc? Je crois que c'est dedans, là. Peut-être, hein, ça va. Donc là, il y a un coffre. Comme si j'avais pas vu. Ah, nouveau truc, champignon. Champignon. Oh, c'est pas ça. Pas quand même, hein. Je me demande si c'est vraiment le bon chemin en fait. Je crois qu'on va faire demi-tour, désolé. Une haleine, non?
C'est pour... Comme. Bon, je sais que c'est un peu chiant, hein. Ça, sans farm, mais bon. Une paire de boucles d'oreilles. Hop. Mais... T'es chiant. On t'a déjà dit. Hop. Transférer. Défense. Hop. Hop. Le problème, c'est que j'ai pas la carte du monde, donc je me demande en fait si c'est vraiment là le chemin. Ah, désolé, je vais juste faire un petit aller-retour. Parce qu'il y a un autre endroit où en fait il y avait des gardes. Et bon, de toute façon, on s'en fout et tu veux te faire, on ne part pas. Voilà. Ça fait de l'expérience. Vivement les gros monstres, hein, parce que là, bon, franchement, on fait un détour. Hein. On ne fait absolument rien du tout là. C'est vrai que j'ai marché dans les bois, donc le fait de marcher comme ça, en fait, j'ai coupé. Ah, il y a un panneau. Donc, je me rends pas compte si c'est le bon chemin en fait. Je me rends pas compte. Gauche là, c'est marrant des fois leur nom. Alors voilà, vous aimez aussi un panneau poste de contrôle aussi, c'est pas là en fait. Donc moi je viens là, mais il y a quoi là-bas alors en fait? Je vais juste vérifier quelque chose. Hein. Vous avez des postes de garde, je crois, un peu des postes de contrôle. Hein. Oh, ils sont résistants, ils sont chiants. Mais je ne pars pas, je les tue. Oh bah ils s'enfuient, oh bah ils s'enfuient. Merci de rester. Si mon nom les monstres ils s'enfuient, qu'est-ce que j'y fasse? Ok, bon, c'est le bon chemin. Je sais que je pourrais aller dans la forêt, mais on va pas le faire. Je le ferai que moi-même tout seul. J'y ferai hors vidéo. Donc on va couper. Oh, ils sont chiants ceux-là. Dommage que j'ai pas d'attaque qui ferait x2 parce que ça me gonfle. Et ouais, puis je sais pas one shot. Oh, ils sont chiants ceux-là. Ils sont chiants. Heureusement, je danse pas. Il manque plus que ça. Allez, tout doux. Il manque plus. Hop là. Une dernière. Voilà. Même pas. Hein. Ah, c'est quand même. Enfin bon, on reçoit de l'argent, c'est cool. Donc je compléterai vers champ, hein, bien sûr. Hop. Désolé, il y a un coffre, faut que j'aille voir, hein. Je suis obligé.
Même s'il est fermé, à mon avis. C'est important. On va d'abord se faire le feu. Il y a des pouvoirs, donc c'est des chiens. Voilà. Et le lapin, on se fait tranquillement. La picorne. Un lapin avec une corne. Tout bête. Ils sont pas fatigués. Hein. Ouh, tu m'étonnes que j'ai bien fait de prendre le coffre. Voilà, donc bah, c'est peut-être là en fait. Hein. C'était le bon chemin. Oh, vous êtes chiant. Par contre, on peut essayer d'intimider. Soit il fuit, soit... Voilà. 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 Et voilà. Pas compliqué, hein. On leur fout la trouille de monstres. Hop. Et là, donc on retourne. Ouf, ça me fait peur. Donc on retourne au sud. Donc c'était bien là en fait. Voilà. On va s'en attaquer un ou deux. Pourquoi j'arrête? Hop. Ennemi vaincu. Cool. Et donc c'est le bon chemin. On reprend le pont et donc là on va là à gauche. Demain j'ai pas la carte. Ça serait... Oh, attention, nouveau. Alors je sais plus c'est lequel le plus fort, mais bon, par déduction, ça. Voilà, cool. Là c'est que des flèches, donc logiquement ils sont moins forts. Un 6 quand même. Hop. Oh, tu peux mettre protection, j'ai pas intention de t'attaquer de toute façon. T'inquiète. Allez, c'est un peu plus même. Ils sont résistants quand même, hein. Cool, one. Allez, hop. Cool, je passe au niveau 8. Je rattrape. On va épée. Boomerang. Hop. Un petit peu sur la route, de toute façon ça fait pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Là je sais pas où on va maintenant. Je sais pas combien de temps on va marcher. J'ai trouvé une ville, je pense, ou un poste de contrôle. Hein. Voyons voir, voyons voir. Oula. En plus, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, sort. Premier soin à moi-même. Il attaque parce qu'il est par terre, enfoiré. Bon bah si je meurs, au moins on va arrêter la vidéo, hein. C'est tout bête. Hein. Objet utilisé.
sur lui-même. Tu peux pas te lever, toi. Ouf, on avait bien fait, dis donc. Ah, ça y est, je peux attaquer. Hop. Hop. Oh, on m'attaque. Oula. Cool. Merci. Ouf. Il n'en reste qu'un. Sors. Attaque. Non, non. Putain, j'ai échappé belle. Et voilà. Bien chance là. Hein. Ils sont blindés, tu vas me dire, donc logique. Bien mieux résistant. Bon, quand est-ce qu'on arrive? Ah, ben c'est là, je crois. Parce que moi, si c'est pas là, c'est pas grave, j'y vais comme ça, hop. Je vais pouvoir sauvegarder et on va arrêter le jeu. Hop. Alors, est-ce que c'est le poste de contrôle? Bah, logiquement, ouais, avec le... L'entrée, il ressemblait, hein. Bon bah il fait nuit évidemment mais... Halt! Don't waste your breath, scoundrels! I can spot bandits for miles! This is the Alistair! Come on! Yes sir, Banger! Enfin c'est les gamins qui jouent quoi. Quoi, faut me battre? Tu veux vraiment te battre? T'as de la chance toi. T'as failli recevoir. Where are your manners? Tiens, si si. Hop, une petite tête sur la tête. Didn't Miss Jessica ask you to run an errand for her? Vous ne deviez pas faire une course pour la demoiselle Jessica et vous étiez en train de jouer. Oh, j'ai oublié. Il faut le mutiler avant que Jessica ne la prenne. Gardement. Je suis désolé. Je ne pensais pas à Malou, bon, ça me dit bien. Alors, demandez autour de vous. Okay. En fait, c'est un village, c'est pas ce que je cherchais. Donc on va sauvegarder puis on va s'arrêter là. Hop. Hop là. Poste de contrôle, je pense qu'il va être, il doit être juste après. Hop là, voilà. Sauvegarder. Et ben voilà, donc moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, puis à suivre avec un petit, la petite cloche à droite, là, les différentes vidéos qui vont arriver. Merci, au revoir.